Jésus. Vas-y. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour quoi ça? Pour nos péchés. On décrit quelqu'un qui vient pourquoi? Les péchés des hommes. Amen. Mais il a été blessé pour nos péchés. Vas-y. Blessé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Oh Seigneur, je te remercie. Je suis maintenant chrétien. Oh Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Il a subi un châtiment. Jésus a subi un châtiment. Il a été frappé, blessé, méprisé, hors de douleur, habitué à quoi? À la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Là, nous entrons dans la guérison. Amen. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Mais là, pourquoi Jean-Baptiste et Jésus ne pouvaient pas en même temps avoir des ministères de miracles? Ça devrait être une confusion. Ça devrait être quoi ça? Parce que c'est Jésus-Christ qui a le ministère de guérir les malades. Mais Jean le ministère de présenter l'agneau. Et si Jean faisait des miracles, cela aurait jeté une confusion. Amen. Je ne sais pas si l'Église a compris. Amen. Oh, nous allons lire ça dans Malachie 4. Malachie 4 nous dit que Élie qui vient viendra avec la guérison. Ce n'est pas Jean. Ça va maintenant? Amen, non, ça devient clair? Amen. Ce n'est pas Jean. Le Élie qui vient, Malachie 4, il a la guérison sous ses ailes. Amen. C'est le programme de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu. On ne peut pas changer ça. Amen. On veut faire faillir la parole par rapport à moi. Nous sommes nés hier. Ah, c'est Jacques, c'est Jean. Pas ça va. Alors. Nous étions tous errants comme des brebis. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la bouchère. Maintenant, Esaïe nous décrit que cet homme, en fait, est une bête. Et cette bête est un homme. Quelqu'un me suit, ça va? Amen. Ça va? Amen. Cet homme est une bête. Et cette bête est un homme. Mais là, qui va laver l'agneau? Ça va? Amen. Et qui va présenter l'agneau? Oh, c'est merveilleux. Ça va? Amen. Oui. Merci. Mais sauf que ici, on nous montre qu'il viendra avec la guérison. Yes. Et c'est grâce à la mort de cet agneau que la guérison sera possible. C'est pas ce que quelqu'un a compris. Amen. Maintenant, pourquoi Jean ne pouvait faire aucun miracle? Encore en plus, c'est parce que l'agneau n'était pas encore mort. Oui. T'as dit, ça va? Amen. Je peux répéter? Amen. Pourquoi Jean ne pouvait pas faire le miracle? Parce que Jean était du côté des disciples. Alléluia. Amen. Les disciples avaient l'effet des miracles par l'effet de la présence du Messie. Ils marchaient avec le Messie, ils avaient l'onction de guérison. Amen. Non. Amen. Hein? Amen. À part les disciples de Jésus, quelqu'un encore faisait des miracles? Non. Les pharisiens faisaient? Non. Les hébreux faisaient? Non. Mais non, frère. Pourquoi? Mais parce que c'est le Messie qui a les germes de la guérison. Amen. La puissance de la guérison est dans la personne du Messie. Amen. Mais le Messie doit être offert en sacrifice. Amen. Avant d'être offert, l'humanité toute entière veut connaître qui est le Messie. Mais comment peut-on connaître le Messie s'il n'y a pas de prophète? Yes, et Malachie nous dit que c'est soudainement que Dieu entrera dans ce Messie. Yes. Waouh! Aux eaux du Jourdain, Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter. Alléluia. Amen. Et celui qui m'a envoyé baptiser nous m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean dit, je l'ai vu et j'ai rendu témoignage. Jean. C'est qui ça? C'est l'agneau. Comment un homme peut être un agneau? Jean dit, mais va dire Isaïe. Ah, Isaïe. Ah ouais, moi je n'avais pas vu ça. Waouh. Bon, donc si la première venue, Jésus est mort, il a été offert en sacrifice. Donc, si je n'accepte pas Jésus, je suis mal barré alors.
Ça veut dire que j'ai ignoré le plan et le programme de Dieu. Donc, tous ceux qui ont rejeté le sacrifice parfait de Dieu, ils ne peuvent croiser que le jugement et la colère de Dieu. Ça va? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alléluia. Vas-y. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé. Non. Dis à quelqu'un, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Seigneur, aide-moi à ne pas ouvrir ma bouche. Aide-moi à fermer ma bouche. Ma bouche la parle beaucoup. Et parfois n'importe quoi. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? C'est-à-dire mort, il a été mis dans un tombeau, retranché. Les disciples ont dit, oh, l'autre Messie est mort, retranché. De la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. Frappé, pourquoi ça? Le péché de mon peuple. Alléluia. On a mis son sepulcre parmi les méchants. Les méchants, doucement. Il était à sa droite et à sa gauche, il y avait qui ça? Le brigand. Son tombeau avec le riche. Et qui était ce riche? Joseph d'Arimathée. Un homme prédestiné à être riche. Oh Père éternel, Dieu, aide-moi à faire comprendre à l'Église. Savez-vous que Joseph d'Arimathée était prédestiné à être riche? Sa richesse devait servir pour glorifier le corps du Seigneur Jésus. Oui. Esaïe dit qu'on mettra son tombeau avec le riche. Et la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche qui prêtait même de l'argent à Rome. Une richesse prédestinée par Dieu, Père éternel, pardon. Ça peut écrire ma Bible, l'histoire, si c'est déjà écrit, fait accompli, simplement. Aide-moi, Seigneur. Amen. 712 ans, avant ça, Jean arrive, Jésus arrive. Ça ne suffit pas. Joseph d'Arimathée, un homme de distinction, riche, il part des saints. Frère, la Bible dit aucun disciple n'avait le courage d'aller prendre le corps de Jésus. Donc, il fallait un homme riche. C'est là où l'argent joue son rôle aussi. Hein? Il a dit à Pilate, tu me donnes le corps de Jésus. Chop. Je t'ai prêté de l'argent, tu vas pas encore rendu. Non. Oh non, pas encore. Donne-moi le corps. Je blague pas, c'est sérieux. Une autre personne aurait demandé le corps, ça n'aurait pas marché. Après Pilate a demandé, mais tu me traites de corps là où? Je mets ça dans mon sépulcre. Or, la Bible dit que ce riche avait fait ça pour lui-même. Peut-être qu'il était trop maladif. Il se voyait déjà mourir. Quelqu'un me suit? Amen. Il a fait le tombeau pour lui. On a mis son tombeau avec le riche. Et la Bible dit que Joseph d'Arimathée a fait ce tombeau pour lui. On le crucifie comme un pauvre. Mais on l'enterre chez le riche. Amen. Jésus a enrichi ma vie. Amen. Pour ta gloire. Amen. Oh, tu vas rester pauvre. Dieu, frère. Quand c'est programmé. Amen. Donne à Dieu ta vie. Amen. Il va montrer le canal. Amen. Par lequel tu es censé passer. Amen. Si quelqu'un bouge une voie, il va ouvrir une autre voie. Amen. Mais comme personne n'est plus fort que Dieu, amen, c'est Dieu qui ouvre les voies partout. Amen. On a mis son sépulcre, son tombeau avec le riche. Palais riche. Regardez la perfection de Dieu, frère. La parole a été prononcée, mais les effets ont eu lieu sur la terre. C'est fort, hein? Jean est venu, Jésus est venu, les disciples sont venus. Parce que quelque part, dans une prophétie d'Isaïe, il dit, scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc même les disciples ne devaient pas comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Vas-y, pasteur. Son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Non, doucement, tu lis ça trop vite là. Il faut faire comprendre l'Église. Et il a pu à l'Éternel de faire. Il a pu à l'Éternel le briser. De le briser par la souffrance. Donc, Jésus, pour qu'il te donne le salut, le Père l'a brisé. C'est pourquoi ne néglige pas ceci que l'on salue. Nous prenons ça à la légère. Ça fait 2000 ans. Nous prions, Seigneur, tu es mort à la croix. Frère. Il a été brisé à la souffrance. Tout ça pour te donner le salut. Amen. Pour te dire, arrête de faire ceci. Ne fais plus ceci.
Arrête de te laisser emporter. Arrête de te laisser entraîner par de mauvaises pensées. Arrête d'agir de telle et telle manière. Bats-toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Comporte-toi comme il faut. Vas-y. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Après avoir fait ça, livré sa vie. Non, ce n'est pas quelqu'un qui vient qui lui tue. Non, il livre sa vie. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut l'ôter sa vie. C'est lui-même qui donne sa vie. La prophétie est là. Oh, les Romains ont tué Jésus. Tu parles mal. Oh, les pharisiens ont tué Jésus. Personne n'a tué Jésus. Je ne sais pas si ce matin vous comprenez ça. Non, 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 c'est une erreur de dire ça. Qui peut tuer Jésus? Je vous ai dit, il pourrait vivre 2000 ans sur la terre, il n'est pas né comme nous. Je ne sais pas si c'est en prison que je dis ça. Il aurait pu vivre 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né comme nous. Il serait resté éternellement là sur la terre avec une barbe blanche, mais il ne devait jamais vieillir et des rides. Nos rides viennent du péché. Lui, il est né par la parole. Il aurait pu être lancé des jours avec une barbe blanche, mais avec un corps éternellement jeune. Propre, debout, costaud, gaillard. Alléluia. Amen. Il a livré sa vie. Non, les Romains l'ont tué. Ils n'ont pas tué. Les Romains ont accompli le plan de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit que derrière le mal se cache le bien. Et j'aime toujours dire le diable est bête. Parce que s'il était intelligent, il n'aurait pas laissé Jésus mourir. Il n'aurait pas laissé parce qu'il était en train de lui-même, Satan, le faire accomplir Isaïe 53. Non, malheureusement, Satan ne sait pas tout. Les sorciers ne savent pas tout de ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Et quand les prophètes arrivent, un prophète connaît tout le monde. Un prophète ne connaît pas tout. Amen. Même Jésus ne connaissait pas tout. Et il y a des choses qui sont réservées au Père. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Après avoir livré sa vie, vas-y. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, oui. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà la postérité, pasteur. Je ne sais pas si on lit la Bible. Nous sommes aujourd'hui la postérité dont Isaïe parle. Amen. Pas l'air. La postérité, c'est-à-dire la descendance. Amen. Nous, nous sommes les descendants maintenant directs du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jean nous a introduits dans une nouvelle alliance. Et Jésus-Christ est dit, mon sang est le sang de la nouvelle alliance. Oh, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Amen. Même depuis Abraham, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Amen. Moïse, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Dieu Alléluia. A brisé son fils. Pour toi. Amen. Il ne méritait pas ça. Il a fait ça pour toi. Amen. Et toi, tu fais quoi pour lui? Amen. Ça, tu fais quoi pour Jésus? On te dit, arrête de te comporter comme ça. Arrête d'agir comme ça. Tu continues. Arrête. Tu continues. J'ai dit à Bahimba, le péché est pardonnable. C'est à l'église. Tu entends la parole et tu reviens chaque fois et tu recommences. One day, un jour, ton oreille sera bouchée. Tu entendras, tu viendras, mais tu ne partiras pas. Ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Sommes à la seconde venue. Ce matin, je vous prêche Jésus dans la forme de la seconde venue. Amen. Je ne sais pas si tu saisis le message de ce matin. Amen. C'est la préparation. Ce n'est plus le jour de jouer, de courir, de blaguer. Le sympathiser avec l'église, c'est le jour de se préparer. Amen. Vas-y, pasteur. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Doucement alors. En Jésus, en réalité, s'il vous plaît, église, est-ce que c'était nourrir les gens du pain qui était ça le travail? Suivez, s'il vous plaît. Est-ce que c'était guérir les malades qui étaient ça le travail? Non. Plusieurs ont été guéris, les mêmes ont crié, crucifiez-le. Les mêmes personnes qu'il avait guéris ont crié, crucifiez-le. Ont crié, s'il était le Messie, qu'il descende de la croix. Qu'il se sauve, qu'il nous sauve. Alléluia. Amen. Mais le travail... C'est quoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comment régler le problème de l'humanité depuis Adam et Ève? Le problème de l'homme, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le vêtement, le manque d'emploi, le manque de mari, le manque de femme. Ce n'est pas ça, frère. Un jour, un jour, tu mourras. Amen. Mais où iras-tu? Amen. Où vas-tu passer l'éternité? Amen.
Où vas-tu passer l'éternité? Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Qu'on ne vous dise pas que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Où vas-tu passer l'éternité? Le vrai travail, c'est son âme qui a travaillé. Il y a eu des combats dans son âme. Ne fais pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le Gethsémané, le travail, c'était dans son âme. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Satan parle à l'intérieur, par le cœur et les pensées. Eh bien, écoute, mais attends, arrête ça. Et puis quoi? Mais tu penses que quoi? Mais demande au Père de décaler le temps. Mais non. L'histoire de Jésus, que tu penses que c'est une histoire, elle a été réelle. Amen. Il est réel. Amen. Si je n'avais pas vu Jésus dans plusieurs visions, s'il ne m'avait pas parlé, je serais un prédicateur comme les autres. Si je n'ai pas vu des anges avec qui je parle et qui me parlent, j'aurais été comme les autres. Mais aujourd'hui, je parle, frère. C'est avec beaucoup de crainte, pasteur. Je pense avec mon cœur. Je pense avec mon âme. Je ne cours pas après les pierres, je cours après Jésus. Amen. Mais s'il a disposé des biens sur mon chemin, Satan ne pourra pas les toucher au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une affaire de moi, c'est une affaire de lui. Amen. Alléluia. Amen. Où vas-tu passer l'éternité? Par sa connaissance, à cause du travail de son âme. Nous avons oublié la loi de cause et effet. Qu'est-ce qui produit la vie éternelle à nous? Il y a une cause. Nous pensons que c'était quoi? Les miracles et les prodiges? Non. À cause du travail. Ouais. Donc, en fait, le grand travail de Jésus était invisible. Exactement. Ça, c'est vrai. Le grand travail de Jésus, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Et le grand travail que Dieu fait dans nos vies, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand tu es accablé, frère. Quand tu es dans le manque. Quand tu as besoin de quelque chose. Amen. Quand tu peux aider une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Et quand tu es dans le besoin et tu n'as rien, Satan te combat à l'intérieur. Ouais. Tu as vu, non? Regarde. Ouais. Ouais. Vu? Regarde. Il veut t'amener à pécher contre tes œuvres toi-même. Et si personne ne te rend visite et toi tu rends visite aux autres, commence à mormonner dans ton cœur. Le combat se passe où? Dans la pensée. Or, l'âme, la pensée se trouve dans l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Oh, le péché vient de penser. Exactement. Ah non, c'est pas vrai ça? Vrai. Ah si. C'est vrai. Amen. Elle va pécher pourquoi? Elle pensait mal. Elle pensait quoi? Mal. Le diable a parlé par le serpent. Elle s'est mise à raisonner. Elle s'est mise à penser. Et puis, si je fais, oh, Adam a dit. Et puis quoi? Moi, je peux faire. Je vais essayer. Et je vais me sauver. Là. Il y a quelqu'un dans la pensée. Il faut combattre. Amen. C'est pourquoi frère Branham a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Il dit c'est où ça? Au tibia? Non. Dans la tête? Non. Au poumon? Dans les mitoines, les muscles? Alléluia. Dans la pensée. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à combattre. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Quand les choses me manquent, quand je suis perdu, je suis dans le besoin. Quand je suis égaré, il n'y a aucun soutien. Quand je me demande comment je fais pour m'en sortir, Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je ne crée aucun préjugé dans mon cœur. Que je ne pense rien de mauvais au sujet de mes frères et sœurs. C'est toi qui me presse. C'est toi qui me compresse. Il n'y a pas de vin sans prendre des vignes, sans prendre des raisins sur des vignes. Les raisins doivent être détachés à la vie. Ils doivent accepter d'être détachés au cèpe, au sarment. Ils doivent être pressés. Seigneur, presse-moi au laboratoire de ta parole, de ta volonté. Écrase-moi, fais sortir de moi le pur produit. Il y a trop de choses dans ma vie. Viens le faire sortir. Viens mettre la pression. Seigneur, je veux produire du bon vin. Et le bon vin, il est mis dans des caves souterraines, dans des caves où tout est noir.
Seigneur, fais-moi passer par ces moments. Plus le vin est dans les caves souterraines, il met du temps, ce vin est agréable. Jésus, je veux être agréable à ta personne. Viens mettre la pression. Même si c'est dur, même si je pleure, même si je gémis, tu connais ce qui est agréable. Viens sortir de moi la laideur, le manque de prière, le manque de pardon, le manque d'humilité, le manque d'abandon des choses de la vie. Seigneur, tu m'as destiné à monter de toi, à te voir, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pasteur, vas-y. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Oui. Il y a une autre connaissance hormis celle des mathématiques. Il y a une autre connaissance hormis celle qu'on a acquise à l'université. Une autre connaissance nous amène à la perfection de Dieu. Elle vient par Jésus. Or ça, on ne nous a pas appris ça à l'université. On ne nous a pas appris ça à l'école, frère, le primaire. Mais c'est ici, dans la simplicité, que Dieu nous apprend que pour être pardonné les péchés et pour hériter la vie éternelle qui est aussi simple que bonjour, c'est par Jésus que cela est possible. Vas-y, pasteur. Et il se chargera de leurs iniquités. Il justifiera beaucoup d'hommes. Non, je suis justifié par quoi? Par mes efforts? Non. Qu'est-ce qui m'a justifié? Qu'est-ce qui m'a fait quitter du péché à la gloire de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui m'a enlevé de l'état de pécheur à un homme saint? Qui m'a justifié? Jésus-Christ. Amen. Ce ne sont pas les efforts de quelqu'un. Vas-y. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Il partagera le butin avec les puissants. Alléluia. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. Esaïe est clair. Amen. Esaïe est clair. Amen. Esaïe est clair. Amen. Alléluia. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Regardez comment les Écritures se sont accomplies. À la croix, au nombre de qui ça? Des malfaiteurs. Regardez les Écritures. Non, même les plus brigands. Ils étaient dans l'Écriture. Exactement. 712 ans avant. Avant. Donc, l'Écriture concerne le bon et le mauvais. Exactement. C'est pourquoi je dis, dans les prophéties, ce qui est bien s'accomplit dans ceux qui sont bien. Mm-hmm. Ce qui est mal s'accomplit dans ceux qui sont mal. C'est la vérité. Toi-même, tu choisis là où tu veux être. Amen. C'est la vérité. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a porté quoi ça? Les péchés de beaucoup d'hommes. À la croix. Et qu'il a intercédé pour le coupable. C'est cette partie-là qui est difficile avec nous. Quand un frère a péché, il sera péché. Nous avons du mal à intercéder. Nous avons du mal à intercéder. Dis avec moi, Seigneur, brise-moi encore. Donne-moi d'intercéder pour le coupable. Il n'a pas intercédé pour l'innocent. Seigneur Jésus, toi en moi, apprends-moi à intercéder pour les coupables. Même si un frère est coupable, même si une soeur est coupable, tant qu'il ne l'a pas fait exprès, Seigneur, donne-moi d'intercéder. Pour les coupables, si tu es en moi, c'est ce que tu feras, Seigneur Jésus. Donne-moi ta nature, donne-moi ta vie. Je veux vivre comme toi, Jésus. Alléluia. Présentez dans la première venue l'agneau, homme Jésus. Préparez le peuple juif à paix les nations. Esaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé... Doucement, pasteur. Dis à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres... Dis avec moi, le mal ne régnera pas toujours. Au nom de Jésus. Que ce temps pour ma vie, Seigneur, soit un temps de lumière. Au nom de Jésus. Que les angoisses disparaissent. Au nom de Jésus. Si le temps passé en couvert le pauvre pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Dis avec moi, Seigneur, viens me couvrir maintenant des temps de gloire. Seigneur, viens me couvrir maintenant des temps de gloire. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Si les temps passés ont couvert nos pauvres le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Donc, le territoire des gens. Donc, le ministère quitte les Juifs, il s'en va maintenant vers les gentils. Est-ce que c'est moi qui écris? Hein? Ésaïe 7, Ésaïe 9 annonce le Messie. Comme les Juifs ont rejeté le Messie, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va maintenant vers les gentils. Or, les gentils, c'est qui ça? Les nations. Vas-y, continue. Le peuple qui marchait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alors maintenant, le ministère de Jésus vient par quoi ça? Par quoi ça? Une grande lumière. La colonne de feu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Lorsque l'évangile revient vers les gentils, le prophète qui vient doit amener une grande lumière. Il doit être accompagné d'une grande lumière. La première venue sur la montagne, il y avait une grande lumière. Dans Actes, quand Jésus a été enlevé, il y avait une grande lumière. Donc si Jésus revient, il y aurait une grande lumière. Amen. Église, ça va? Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné un poteau. Sur la tête, il y a un lampadaire. Oui, amen. Vous voyez les lampadaires, c'est toujours comme ça. Hein? Regarde la colonne de feu. Amen. Merci. Pour les lampadaires, là, c'est comme ça. Enfin, c'est pas comme ça. Non. Dis à quelqu'un, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah. Amen. Il voit une grande lumière. Frère, c'est pas des choses qu'on court après. C'est la vérité. Qu'on ne vienne pas nous dire, on croit le même Jésus. Non. L'évangile vient vers les gentils avec une grande lumière. Vas-y. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il reprécise une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de grandes joies. Seigneur, accorde-moi de grandes joies. Seigneur, agrandis cette église. Seigneur, agrandis cette église. Non seulement en nombre. Non seulement en nombre. En amour aussi. En amour. Dans la foi. Dans la foi. La patience. La patience. Au nom de Jésus. Amen. Il se réjouit devant toi. Il sait quoi? Il se réjouit devant toi. Quand on vient de la présence de Jésus, on vient avec des visages fâchés. Non. Hein? Non. Des flots en colère. Le culte est fini, chacun commence à tâcher son visage. Non, il y a quelqu'un, il faut changer. Il y a quoi ta soeur, il faut changer. Il faut changer. Amen. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin. Viens avec moi, on va partager le butin. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Alors viens avec moi, Seigneur, viens briser tous les bâtons. Qui me frappait dessus, physiquement, spirituellement, au nom de Jésus. Pendant que je t'accepte ce matin, je veux te suivre ce matin. Viens briser, Seigneur, tous les bâtons qui se sont levés de mon côté paternel, maternel, de mes voisins. Brise-les ce matin, au nom de Jésus. C'est tout ça ton salut. Alléluia. Amen. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Alléluia. Car un enfant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est pourquoi au jour du baptême, le Saint-Esprit descendu sur son épaule. Pourquoi? Ça avait été prédit. Et la domination reposera sur son épaule. Continue. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de la croix ce matin. Alors Jésus est venu faire quoi? Il est venu faire quitter l'espérance des Juifs. Vous voyez pourquoi dans Acte 1, est-ce en ce temps que tu rétablirais le règne d'Israël? Non, Jésus-Christ est venu rétablir toutes choses. Mais ça devait se faire par la seconde venue. Or, là, quand Jésus-Christ vient, c'est pour le lieu de l'accroissement. Il n'est plus seulement le Dieu des Juifs, mais il est le Dieu des nations, le Dieu des gentils, le Dieu des peuples. Amen. Quelqu'un, ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Voilà, il est venu donner de quoi ça? De la croissance. Or, dans Acte 1, et est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Non, non, non. Jésus est venu pour les peuples. Mais il devait commencer d'abord par les Juifs. Parce que le salut vient des Juifs. Et c'est Christ qui l'a dit. Alléluia.
C'est pourquoi le premier prophète dans la première venue devait être juif. Mais dans la seconde venue, puisque l'évangile vient aux nations. Ça ne peut plus. Il faut un prophète des gentils. Oui. Ça va, Église? Amen. Ça va, Église? Amen. C'est ça le programme. Vas-y. Donner à l'empire messianique de l'accroissement. Alléluia. Et une paix sans fin au trône de David. Amen. Et à son royaume. Alléluia. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Car le Seigneur. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Alléluia. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander Toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Alors, mais pourquoi Jean dit-il qu'il n'est pas Élie? Parce que la question Élie de la seconde venue. Amen. Quelqu'un me suit? Frère, Jean n'était pas hypocrite. Non. Parce que dans Matthieu 11, Jésus dit que Jean est Élie. Dans Matthieu 17, Jésus dit Jean est Élie. Mais pourquoi ici, Élie lui-même dit, Jean dit qu'il n'est pas le Élie en question? C'est parce que eux, ils parlaient en fait du Élie du temps de la fin. Amen. Le Élie qui viendra avant le jugement et la colère de Dieu. Amen. Celui qui aura le message du temps de la fin. C'est là où les gens se blessent la tête. Voilà, merci beaucoup pour le compliment. Vas-y. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit: non. Vous voyez? Donc, celui que nous attendons, c'est Élie le prophète. Il y a deux. Oh, j'aime ça, frère. Ouais, Dieu permettait que les gens posent des questions et qu'il y ait des réponses, mais qui seront pour nous des tremplins. Amen. Aujourd'hui, je comprends que facilement, chap chap, c'était la volonté de Dieu.